Eh bien, salut tout le monde, c'est Caro Squid, Youyou, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur ma chaîne du Super Mario Galaxy, voilà. Donc, j'ai vu sur Instagram, Twitter et tout, vous avez voté Super Mario Galaxy, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de votes. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir participé au sondage, merci beaucoup. Et du coup, ce que je vois, vous voulez du Super Mario Galaxy. Et puis, quand on aura fini Super Mario Galaxy, on fera du Super Mario 64, voilà. Donc, bien sûr, ce sera dans longtemps, mais en 64, hein, pas tout de suite, hein, voilà. On va profiter ensemble de Super Mario Galaxy. Donc voilà, pour le tout premier épisode. Donc voilà, les amis, donc n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires, et aussi de vous abonner à ma chaîne. Du coup, sans perdre de temps, bien évidemment, on va commencer l'aventure de Super Mario Galaxy. Donc, je joue un peu avec les Joy-Con, si vous voyez que ça fasse un peu n'importe quoi, c'est normal, j'ai des Joy-Con un peu buggés. Donc voilà, donc là il y a mon fichier, donc là où j'avais tout fait, enfin voilà. Et là du coup on va lancer un nouveau fichier, exprès. Voulez-vous créer un nouveau fichier de sauvegarde? Oui. Voilà. Donc du coup, oui, hein, j'aime bien prendre Peach en fait. Voilà. En fait je prends tout le temps cette icône, donc... c'est parti, hein. Premier épisode, les gars. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château où ils se transforment en super étoiles. Désolé, les gars, j'ai un peu du mal à lire. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Donc voilà, c'est plein d'histoires. Cher Mario, je t'attendrai au château le soir du festival des éclats d'étoiles, j'ai quelque chose à te donner. Ce jeu, il est magnifique, les gars. J'adore ce jeu vraiment. J'y avais joué sur Wii, il est tellement bien. Donc là, les éclats d'étoiles. Par contre, ouais, j'essaie de faire comme je peux, hein, avec la manette parce que c'est chaud. Au pire, j'essaierai de revoir une autre manette, d'autres Joy-Con parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que si je galère dans certains niveaux, les gars, voilà quoi. Oh là 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 là. Ah déjà la catastrophe, on le voit bien là. Il y a Bowser qui arrive, attention la petite cinématique. Je vous laisse regarder la cinématique les gars, voilà quoi, voilà. Je connais déjà ce qui se passe donc... Et là au final, la catastrophe. Comme toujours hein, Bowser. Il est toujours là pour tout gâcher lui à chaque fois. Bowser. Il gâche tout à chaque fois. C'est horrible. Ah, Princess Peach. Franchement, le jeu, il est super beau. Il est super beau. C'est le meilleur même. C'est le meilleur Mario. Pour moi, c'est le meilleur Mario quand même. Ah. Attention, le maître Bowser qui débarque. Le maître Bowser. Princess Peach, je te convie à assister à la naissance de la nouvelle galaxie que je vais créer. Elle est mignonne, Peach. Oh. Tu peux remercier les étoiles. Ah oui, d'accord, Bowser, t'es comme ça, toi, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est chaud là. Oh là 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 là. C'est catastrophique ce qui se passe, n'empêche là. Oh là 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 là.
Attention, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben le château, il va disparaître. Ouais. Mais c'est incroyable les cinématiques, hein, vraiment. Oh non, oh non, oh non. Mais Bowser, franchement, t'es pas gentil, hein. C'est pas gentil de faire ça quand même, hein. D'avoir gâché une fête comme ça. Bon bah le château, ben il y en aura plus. Il n'y aura plus de château. Oh non, Peach. Mais comment ils font pour transporter ça? C'est lourd quand même, non? Je sais pas. Ça doit être lourd. Ça doit être très très lourd même. Oh non, c'est triste quand même. Hein. C'est triste en fait de voir cette scène, je sais pas pourquoi. Et là, bah, on se retrouve dans la galaxie. C'est totalement... What the fuck? Ouais, voilà. Mario! Bah, Mario, il peut rien faire là. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Bah oui, voilà. Toi, écrase-toi au sol et souffre. Ah ouais, mais carrément quoi. Mario, non. Oh là là. Oh la catastrophe. Ah mais c'est vraiment la catastrophe là. C'est vraiment la catastrophe. Ah. Ah. Mario qui va se réveiller. Ah mince, c'est un petit lapin. Ça y est, tu te réveilles, alors viens jouer avec nous. Ah, ouais. Ah, c'est pas qu'il faut l'attraper déjà, je me rappelle plus. Si, ça, je crois. Viens là. Ok, non, c'est pas ça. Je me rappelle plus aussi, les gars. Jouons à cache-cache. Ah oui, c'est vrai. Je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. Oh non, pas déjà, pas le cache-cache là. Bon voilà, faut que je les trouve. Donc vous voyez un peu c'est quoi le jeu Mario Galaxy. Bon, vous connaissez, hein, je vais pas vous le dire non plus, MDR. Alors déjà, faut que je les retrouve déjà les lapins, parce que c'est vrai que je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, parce que la caméra dans ce jeu, je vous dis, c'est un peu... Ah mais je le vois, mais là, oh là là. Ah mais j'arrive pas quand c'est à l'envers comme ça là. J'essaie de l'attraper là. Allez hop! Zut, tu m'as attrapé. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. J'aurais dû me cacher dans un trou, Ender. J'aurais dû me cacher dans un trou. Ouh, oh, il y a des éclats d'étoiles là. J'ai entendu. J'ai entendu le lapin là. Non? Il est où? Oh mais c'est horrible la caméra par contre là. Alors j'essaie de trouver les deux autres lapins. Mais je l'entends en plus, mais je sais pas où il est. Attendez, me dis pas qu'il est en dessous. Ah il est là! Aïe! Non mais c'est pas ce que je voulais faire, de base je voulais pas prendre le rocher. Viens là! Il est quand même rapide, tu l'as. Voilà! Je l'ai attrapé. Zut, tu m'as attrapé. Il n'y en manque plus qu'un, là. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Bon, c'est encore la même phrase, quoi. C'est encore la même phrase, mais oui, bien sûr. Bon, du coup, le troisième, je sais plus où il est. Le troisième, il est où? Alors, le troisième, le troisième... Faut que je m'en rappelle. Oh ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Le troisième lapin, il est où déjà? Oh, mais j'ai trouvé! Non!
Il est là. Viens là. Là là, mais... Voilà, je t'ai attrapé. Youpi. Ah, quel dommage. Oh bah voilà. Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Maman qui est Harmonie. Bah oui. Rosalina, bah Rosalina, Harmonie. Voilà quoi. Et voilà, du coup. Alors. Elle est là, Harmonie. Elle est là. Hop. Elle est là ici. Je t'observe depuis très très longtemps, depuis cet endroit, le portail céleste. Mon nom est Harmonie, je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, donc Princesse Peach, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Donc ce pouvoir assez spécial, je te confie celui-là. Vous pouvez à présent tournoyer, agiter ou appuyer sur Y pour... Oui, bon, oui, enfin, on a compris. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis les grandes étoiles. Enfin, les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. Au revoir, Harmonie. Bon, bah, oui, au revoir, Harmonie. Alors... Quand tu vois une chose à l'air fragile comme celle-là, agite pour. Tu peux aussi utiliser Y, d'ailleurs, si tu touches un ennemi en tournoyant, il sera assommé. Voilà. Je t'attendais, je t'avais préparé un anneau étoile, enfin un anneau d'étoile. Mais une météorite est tombée, il a éclaté en morceaux. Tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète. Où sont tombés les morceaux? Que cherche-les, mais fais attention où tu mets les pieds. Ah oui. Donc là. Là. Oula. Là. Là, il y a un champignon vie en plus. Là, 4. Oh, oula, j'ai failli tomber, hein. Et je sais pas si on aura le temps, les gars. Enfin, on aura le temps, j'essaie de trouver la dernière. Elle est là. Parce que j'ai regardé déjà, on était à combien de minutes de la vidéo, parce que... Sinon, on va pas pouvoir... En vrai, on va pas pouvoir tout faire, là. Voilà. Donc là, c'est... Ah oui. Sors-moi de là, l'un des ennemis doit avoir la clé. Ok. Ok. Non. Ah bah, là-là la clé. La voilà la fameuse clé, oui. Merci. Tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut dans la forteresse? Je vais me changer en anneau étoile. Utilise-moi pour te rendre là-bas. Bah les gars, en fait, on va s'arrêter là du coup parce qu'on va être là, on en est déjà à la fin du premier épisode. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce premier épisode de Super Mario Galaxy. Voilà. Je vous retrouve à très bientôt pour l'épisode 2, voilà, donc pour la suite. Et bah, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et voilà. Je vous aime, vous êtes tous mes étoiles. Et surtout mes étoiles filantes. Allez, bisous tout le monde. Je vous aime tout plein. Bisous, bisous, bisous.